Morning, everyone. Bonjour tout le monde. Depuis hier, je suis ici à Singapour où j'ai rencontré plusieurs leaders du milieu des affaires qui veulent faire plus d'investissements pour créer des bons emplois au Canada. Et un peu plus tard ce matin, je vais avoir l'occasion de m'asseoir avec le premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong. Singapore is an economic powerhouse, a global hub in this dynamic region. It was great to meet with many prominent business leaders to talk about opportunities in Canada and Canadian business interests in the region. I reminded them that Canada is an excellent investment destination because of our enduring stability, high labor and environmental standards, and robust supply chains. Cette semaine, j'ai aussi participé au sommet de l'Association des Nations du Sud-Est, de l'Asie du Sud-Est, qui s'est tenu en Indonésie. C'est important pour le Canada d'être ici afin de resserrer nos liens dans la région. Earlier this week, we were in Jakarta, where we launched the ASEAN-Canada Strategic Partnership. Canada being elevated to a strategic partner means that we'll be able to cooperate even further on a range of things like security and on building a more prosperous future for all of our countries. In Canada, around 1 in 6 jobs is linked to exports. L'année dernière, les exportations et importations du Canada vers et en provenance de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ont augmenté de presque 30% par rapport à l'année précédente. These are not just numbers. These are people's jobs and livelihoods. I think of companies like Sinauta in Calgary that uses AI to treat more water using less energy and fewer chemicals. Well, last year, Sinauta announced a partnership with Singapore's National Water Agency to optimize cleaning schedules using machine learning. I think of entrepreneurs like Hugh Tran and his company Canadian Vita in Mississauga, who found that there is a strong demand in Vietnam for Canadian-grown ginseng. The CPTPP eliminated tariffs from the ginseng Tran exports to Vietnam, and today, Vietnam represents 60% of his company's sales. I want to see more of these success stories, and that's exactly why we're here. On veut voir plus d'entreprises canadiennes réussir ici dans l'Indo-Pacifique. C'est pour ça qu'on va ouvrir un bureau d'exportation et développement Canada à Jakarta. Également à Jakarta, on va nommer un premier représentant au commerce du Canada pour l'Indo-Pacifique. Ici à Singapour, on va établir la porte commerciale canadienne pour la région. Ces initiatives vont aider les entreprises comme celles dont je viens de parler à faire encore plus d'affaires dans l'Asie du Sud-Est. And of course, we've committed to finalizing the SIPA trade deal with Indonesia by the end of 2024, and we're continuing our negotiations for a free trade agreement between Canada and all of ASEAN. Beyond trade, the other way we can create economic growth is by promoting stability in the region. With the pandemic, with natural disasters, with wars and conflicts, these past few years have shown us how interconnected we all are. Well, stability benefits us all. As part of our mutual interest in supporting a rules-based international order and protecting security in the Indo-Pacific, Canada will invest an additional $10 million to help ASEAN prevent, detect, and respond to biological threats like pandemics. We'll also provide $2.6 million to support nuclear security training in Thailand and help expand training within Southeast Asia. And with Singapore, we will renew the Canada-Singapore Cybersecurity Agreement. La semaine continue d'être très productive. On travaille avec nos partenaires pour ce qui est du commerce et de la sécurité. Et on a aussi parlé de collaboration en éducation et pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. We look forward to the Canada-ASEAN Partnership Forum on Education this November in Vancouver, when we'll be welcoming over 250 delegates from the world of education to build connections between academic institutions. Le Canada a beaucoup à offrir. On a des travailleurs ambitieux et de qualité. On peut aider avec la sécurité alimentaire et énergétique. On est une source fiable et responsable d'exportation, y compris pour les technologies propres et les minéraux critiques. Et on est une excellente destination pour accueillir des investissements. J'ai bien hâte de poursuivre le travail sur nos priorités pendant le sommet du G20, créer des bons emplois
rendre la vie plus abordable, lutter contre les changements climatiques et garder les gens en sécurité. Merci tout le monde. Merci d'être ici. Thank you.